Et donc j'écoute ça tous les matins et ça parlait d'investissement. Et moi, en ce moment, je suis plutôt sur des questions sentimentales et tout. Et donc du coup, j'étais là à faire des comparaisons entre l'investissement et le sentiment amoureux, l'amour, l'affection, la loyauté, l'amitié, la famille. Bon, on fait des liens. Et en fait, je me suis dit, mais une personne qui a vécu des relations déséquilibrées dans son enfance ne sait pas ce que c'est que l'investissement. Je ne dis pas que ce sont des gens qui ne peuvent pas investir. Je dis que ce sont des personnes qui, du coup, ne comprennent pas le sens de l'investissement. Je m'inclus dedans, ok ? C'est pour ça que j'apprends, c'est pour ça que j'ai appris la psychologie, c'est pour ça que je me suis formée, c'est pour ça que je suis thérapeute. Et donc je suis devenue experte dans mon domaine par justement manque de connaissances au départ.